Un Boeing 787 se pose pour la première fois sur la banquise en Antarctique. C'est un exploit pour un appareil aussi imposant. L'avion s'est posé sur l'aérodrome Troll, une bande de 3000 mètres de long tracée directement sur la glace, avec à son bord 45 passagers et 12 tonnes de matériel de recherche. Normalement, cette piste accueille chaque année entre 6 et 8 avions de différentes tailles, mais d'après l'Institut polaire norvégien, la capacité de ce Boeing permettra de transporter plus de marchandises et de passagers en un seul trajet, et donc de réduire l'empreinte environnementale.